Good morning, allez, Idan et Nessus, aujourd'hui, le Lunishmat, David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, Lucien Batrina et Solovanich. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, quand il y a 5 minutes éternelles, nous étions Maseret Nazir, Perek Aleph, Mishnah, Babareni, Nazir, Mikan, Admakom Ploni, Omdin Kabayamim, Mikan, Admakom Ploni, Impachut Mishloshim Yom, Nazir Shloshim Yom, Vimlav Nazir, Keminyan Ayamim. Mishnah relativement simple, on va d'abord la traduire, puis après on va la cadrer. Parce qu'il faut juste, sinon il y aura une petite contradiction avec l'émission précédente. Pour le moment, Areni Nazir Mikan Vad Makomploni, quelqu'un qui prend sur lui une Nézirut d'ici jusqu'à là-bas. Donc, toujours le même problème, il se trompe d'unité, ouais. La Nézirut, ça se mesure en jours, et lui, il parle apparemment en distance, vraisemblablement. Et bien, malgré tout, non. On va dire comme ça, Omdim Kama Adam Kama Yamim Mikan Ad Makomploni. On va évaluer combien de jours faut-il pour partir d'ici jusqu'à l'endroit. J'ai dit, je suis Nazir d'ici jusqu'à Metula. Jérusalem jusqu'à Metula. Donc alors, dans ce cas-là, on va dire, écoute, il faut combien de jours pour partir de Jérusalem jusqu'à Metula. Et dans ce cas-là, im parchut mishloshim yom, s'il faut moins de 30 jours, alors dans ce cas-là, Nazir shloshim yom, sa Nazirut, elle durera pendant 30 jours. Ve im lav, et sinon, s'il faut plus, il faut 45 jours. Alors dans ce cas-là, Nazir Keminyan Ayamim, il sera Nazir comme le nombre de jours. En deux mots, finalement, il parle distance, mais c'est pas vrai, il parle pas distance, parce que la distance, elle se calcule aussi en jours de voyage. Les gens, ils ont une vitesse de croisière quand ils marchent, c'est explicite dans la Gemara, le nombre de milles qu'on fait par jour, le nombre de personnes, et ça repart ça par jour. Et dans ce cas-là, là, quand on a dit, je serai Nazir d'ici jusqu'à là-bas, donc, ça se traduit en nombre de jours qu'il faut pour partir. Or, on connaît la règle que Nézirut, il n'y a pas de Nézirut moins de 30 jours. Dans ce cas-là, s'il faut moins de 30 jours, tu as dit, je serai Nazir d'ici, de Jérusalem jusqu'à, je sais pas moi, Malé Adoumim. Il faut pas 30 jours, il faut 5 jours à pied, même maximum, 3 jours, j'en sais rien. Dans ce cas-là, c'est sûr, tu seras obligé de prendre une Nézirut de 30 jours au minimal. Ok ? Voilà pour la traduction de la Mishnah. Seulement, il y a un problème technique, c'est que ça contredit. Que celui qui a dit Mikan Vatsof Haolam, qui correspond à, je sais plus, Mishnah Dalet, je pense, non, c'était Mishnah Gimel, a fait le Mikan d'ici jusqu'au bout du monde. Que, en fait, là-bas, on avait dit que son intention, elle était parler de. C'était de, pas du tout de convertir ni les unités de jour en distance, ni rien. C'est juste, c'était une manière de dire, c'est gros comme une montagne pour moi, de devenir Nazir comme quelqu'un qui est grand comme le monde, ouais, comme les gens qui disent, comme je vous avais fait l'exemple, comme les gens qui disent, papa, je t'aime jusqu'au ciel. C'est quoi, je t'aime jusqu'au ciel? Ça se mesure comment? Ça se quantifie comment? L'amour en unité de quoi? En distance? C'est une manière de s'exprimer, de dire quelque chose de grandiose, de gigantesque. Donc dans ce cas-là, quelqu'un qui dit, on avait vu, donc celui qui dit, d'ici, je veux prendre une Nézirut sur moi d'ici jusqu'en Amérique. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu veux prendre une Nézirut qui est très grande. Très grande en quoi? Très grande en. Dans la mesure où tu n'as pas précisé d'unité, on va dire que ton intention, elle est d'expliquer que tu es très lourde, difficile à porter. Genre, tu prends quelque chose qui est très dur pour toi à accomplir et que tu vas le prendre sur toi malgré tout de le faire. Telle est ton intention. Donc dans ce cas-là, ça contredit ce qu'il avait écrit là-haut. Et la Gemara, elle explique qu'en fait, il y a deux cas. Il y a le cas où la personne, elle a pris la route, elle est sur le point de prendre la route, il est déjà. Donc dans ce cas-là, c'est sûr que son intention, elle est de dire de là jusqu'à que j'arrive là-bas. Donc de là jusqu'à que j'arrive là-bas, c'est des unités de temps. Ça se traduit en temps pour arriver jusqu'à là-bas, et donc telle était ton intention. Par contre, si tu es chez toi tranquillement, tu dis, je prends sûrement une Nézirut de là jusqu'en Australie, dans ce cas-là, ton intention est juste de dire que tu prends une Nézirut qui va être gigantesque sur toi, mais que tu ne parles pas en unité de temps, tu parles en difficulté à assumer la responsabilité, et que tu vas le faire malgré tout, et dans ce cas-là, tu seras à Nazir que pendant 30 jours uniquement. D'accord? Comme c'était dans le cas dans la Mishnah Gimel. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, c'est là.